Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour un courrier que j'ai reçu aujourd'hui. Alors c'est un courrier de Annie. Voilà, alors j'ai juste ouvert l'enveloppe pour faire le moins de bruit possible. Range-moi ta queue s'il te plaît, merci. Alors, voilà. Donc il y a deux petites enveloppes à l'intérieur. Je vais déjà regarder la première. Alors c'est un joli tag dans les couleurs que j'aime bien, mes couleurs du moment, hein, les couleurs du mariage en ce moment, le bleu, avec un petit sentiment dessus marqué merci pour ta gentillesse. Voilà, c'est tout joli. Le petit mot avec une feuille squelette qu'on appelle ça. Voilà, ici. Et donc il y a un petit mot derrière. Alors regarde si je peux vous le lire avant. Bonjour Edith, voici un petit tag pour te montrer mon style de scrap. Donc après c'est un petit mot perso, voilà. gros bisous Annie. Oups, ça doit être Mamie Scrap, je crois. Nanny Scrap, oui, voilà, Nanny Scrap. Oh super. D'accord. Alors le petit mot perso, ok, pas de souci. C'est super gentil de ta part, merci beaucoup. J'adore. Merci. Hop, allez, mets-toi là. Donc, je pense que bah, du coup, la deuxième enveloppe, je ne vais pas vous la montrer puisque c'est du personnel. Alors, en tout cas, c'est bien arrivé. Mais j'adore ton tag. Non, Fifi, tu vas pas manger le papier quand même. Non, tu manges pas mon tag non plus. Le tag, c'est pour maman. Elle veut manger le tag. Donc, ah oui, alors là, ton papier alu est super bien arrivé. Alors, je vais d'abord enlever ce qu'il y a dedans. Parce que ça, je ne le montre pas, bien sûr. Oh, j'adore ton... Alors, je sais pas si tu l'as fait toi-même. Ou si tu l'avais comme ça, mais c'est vraiment super. Regardez une petite pochette qu'elle m'a fait. J'aime vraiment beaucoup. Alors tu me diras, est-ce que tu l'as fait toi-même ou parce que j'aime vraiment beaucoup, tiens. Si c'est toi qui l'as fait. J'aimerais bien avoir l'explication comment tu as fait parce que j'aime vraiment beaucoup, vraiment super. Ah ouais, alors merci beaucoup. Tu vois, il n'y a pas eu de souci, c'est tout est bien arrivé. Voilà, et j'adore ton tag, il est super beau. Et en plus, bah, tu vois, c'est dans mes couleurs du moment. Donc, vraiment très, très joli. Merci beaucoup. Donc, moi, je te reprendrai en MP hein, tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Oups. Écoute, je pensais pas que tu allais me faire une petite créa en plus. Bah, ça me fait vraiment très, 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 très plaisir. Voilà. Je profite de cette petite vidéo pour revenir sur la vidéo que j'ai fait pour mon petit vide atelier. Alors, j'ai eu des nouvelles à peu près de tout le monde, je pense. Alors, par contre, j'ai pas eu de nouvelles de... De qui je n'ai pas eu de nouvelles. De Lalala. Voilà. Lalala, j'ai pas eu de nouvelles de toi.
Donc, si tu peux me contacter par email ou sur mes pages Facebook, mes différentes pages Facebook, donc en message privé, pour ce que tu avais choisi, pour qu'on puisse faire le nécessaire, pour que je puisse t'envoyer ce que tu avais choisi. Donc, ouais, il n'y a que là, je crois qu'il y a. Et puis, alors, Mazel Patchwork, donc qu'on avait mis de côté, je crois. Confirme-moi aussi, Mazel Patchwork, hein, je crois qu'on avait mis de côté. Tu attends le prochain, je crois, hein, le prochain live. Et les autres, donc, il y en a qui sont partis ce matin. Que j'ai été posté. Alors, Daisy Fontaine, c'est parti ce matin. Et, mais arrête-toi de faire des bêtises. Et qui est parti ce matin? Donc, je vais vous envoyer vos numéros de suivi. Parce que ce matin, j'étais faire les courses pour le mariage. Donc, j'ai pas eu le temps encore d'envoyer les numéros de suivi. Et qui j'ai envoyé ce matin? Qui est-ce que j'ai envoyé? Arrête, fifille. Du coup, je sais plus. Bah mince alors, qui j'ai envoyé? Je crois que j'ai envoyé Scrapatou. Oui, Scrapatou. Je t'ai envoyé aussi ce matin, si je ne me trompe pas. Donc bon, de toute façon, je vais regarder avec. Tout est enregistré. Oh, pardon, je bâille. Oh, je suis fatiguée. Alors, le matin, je me lève. Je pète la forme, mais arrivé à l'après-midi, je suis fatiguée. C'est le médicament, il me casse l'après-midi. Pas possible. Ouais, donc alors normalement, si je me trompe pas, Scrapatou. Oui, Scrapatou, c'est parti. Daisy Fontaine, c'est parti. Bah, du coup, Nani, les autres, ça va partir également, hein, ceux que j'ai reçus. Et donc, il me manque des nouvelles de Lalala. Donc, si tu passes sur la vidéo aujourd'hui, donne-moi tes nouvelles sur par email ou par le biais de mes Facebook, parce que j'ai pas une nouvelle de toi. Voilà. Donc je vous confirmerai donc ce week-end le prochain live pour la suite. Là pour l'instant j'ai pas trié, j'ai juste rangé mon atelier. Voilà, j'y vois un peu plus clair parce que là ce matin j'ai pas eu le temps. Comme il y avait des promotions aujourd'hui à Cora, je suis allée acheter une partie de ce qui me manquait pour le mariage, enfin pour la nourriture, hein, puisque le reste je l'ai. Donc le temps de tout ranger. Oh là là, c'est pas vrai, excusez-moi. Donc le temps de tout ranger, de déballer pour mettre au congélateur, parce que pour gagner de la place, parce que moi c'est des congélateurs à tiroirs, donc j'ai pas beaucoup de place. De ranger également, regardez, je vais essayer de vous montrer parce que en plus ça empiète sur mon dans mon atelier ailleurs. Alors voyez, attendez, je me mets l'écran, hein. Voilà, là ici, donc ça c'est un sac de tout ce que j'étais cherché ce matin. Donc là c'est tout du sec. En bas du sac c'est tout ce qui peut être limonade, coca, Schweppes, tout ça, parce que bon, bah, je n'ai pas acheté que de l'alcool, hein, parce que moi, je suis aussi contre l'alcool, donc j'ai pas envie de voir que de la viande saoule à mon mariage. J'ai horreur de ça. Donc, j'étais chercher tout ce qui était des canettes de limonade, de coca, de Schweppes, tout. Donc, au-dessus, il y a quand même des biscuits apéritifs, tout ça. Bon, il y a quand même un pack de bière que j'avais déjà acheté il y a un petit moment parce qu'il était en super promo. Bon, j'ai quand même quelques bouteilles d'apéro, hein, mais pas beaucoup. Là, elles sont rangées dans mon bar, dans le salon. Et dans ce sac-là, alors je vais essayer de vous montrer. Désolé, il n'y avait pas beaucoup de luminosité. Mais vous voyez, dans ce sac-là, alors, oh, vous voyez rien. Alors, attendez.
peut-être avec la lumière. Allez, bon, il reste des gobelets. J'ai un paquet de bonbons pour les enfants. J'ai des pics ben, pour forer. J'ai du thon parce que je vais faire des œufs mimosa. Oh, vous voyez rien, hein, je pense. J'ai des saucisses cocktail, des olives, des cornichons, ben, de la mayo. Là, j'ai repris des gobelets en plus. J'ai pas envie de faire la vaisselle. Voilà, des petits laits comme ça, voyez, des petites capsules de lait comme ça pour le café à la fin. Voilà. Et je vais vous montrer. Alors, on va bouger. En même temps, vous allez voir ma maison. Tenez, voyez, là, c'est une créa que j'avais fait. Ouais, je crois que je vous l'ai encore jamais montré. Faites avec un livre, c'est un ange. Vous voyez? Voilà, c'est un ange fait avec un livre. En fait, pas attention, ma maison, c'est pas comment? Ça, c'est ma cuisine. Mais on est à contre-jour, hein, là. C'est pas un palace, hein, ma maison. Alors, pour gagner de la place, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai enlevé tous les cartons, tous les emballages, et j'ai découpé juste les temps de cuisson, vous voyez? Et j'ai mis le nom de ce que c'était, là, mini feuilleté dégustation, mini feuilleté escargot. Et j'ai juste découpé les conseils de cuisson. Voilà, comme ça, dans mon congélateur, j'ai pu enlever tous les emballages pour le mariage et ça m'a fait gagner de la place. Alors, je vous montre dans le frigo. Voilà, regardez pas. Voilà. Ici, regardez ce que j'ai marqué. Touche mariage, donc là, cette partie là, on n'y touche pas, c'est pour le mariage. Donc, c'est des choses qui sont avec des dates très longues. Donc, j'ai pu acheter ce matin du pâté en croûte, les dés de voyez les apéricubes, voilà, des saucissons, du chorizo, des choses comme ça, voilà, qui avaient des dates très longues. Et je vous montre du coup ce que j'ai pu faire. Donc pareil, à la congélateur, j'ai mis l'étiquette Patouche chez le mariage. Et du coup, regardez, vous voyez, j'ai pu tout déballer pour gagner de la place. Et bah, tout est dans un tiroir. Voilà, tous mes trucs. Que moi, je ne fais pas de repas. Hein. Je ne fais qu'un apéritif dînatoire. Donc, oula, il fait tout noir là, je crois. Là, vous avez Fifi. Fifi. Voilà, allez, on retourne à l'atelier. Désolé, là, il fait noir, je crois, pour vous. Voilà. Vous voyez, j'ai commencé à ranger l'atelier, mais je vais enlever peut-être la lumière, je sais pas si vous verrez mieux. Donc là, j'ai rangé ce coin-là. Hop. Là, il faut que je me débarrasse du vélo. Personne n'en veut, donc bah, il va partir aux encombrants. Donc, je vais donner à Emmaüs. Je reviens. Voilà. Désolée, hein, ça a peut-être été un peu noir, mais bon. Donc voilà, ce matin, du coup, j'ai fait tout ça. Du coup, j'ai pas eu trop le temps de trier. J'ai eu le temps de ranger mon atelier. Parce que demain, il y a une abonnée Facebook qui vient chez moi, je crois, pour venir chercher ce qu'elle m'a acheté. Donc, bah, j'avais pas envie qu'elle vienne dans mon atelier. Bon, c'était le souk complet. Donc, je voulais quand même que ce soit un peu rangé. Voilà, donc comme ça au moins bon bah j'ai un peu moins la honte malgré que bon de toute façon on en est toutes là hein. Je sais on n'a pas des ateliers comme les Américaines hein. Loin de là par exemple quand on voit les ateliers des Américaines on se demande vraiment si elles font du scrap parce que c'est vraiment tellement rangé, nickel chrome leur truc, qu'on se demande vraiment si elles font du scrap. Bon.
Voilà. Bon, ben, j'ai fini de vous raconter ma petite vie aujourd'hui, hein. Voilà, du coup, j'ai pas eu le temps de faire de créa encore. Je ne sais pas si je vais en faire. Là, j'ai le tricot de mon mari à terminer. Je suis à la fin. Je lui ai fait un gilet colle-châle, vous savez. Et j'ai dû courir aujourd'hui chez la mercerie parce que je sais pas. Bon, pourtant j'ai commandé à Bergère de France le nombre de pelotes qui préconisait pour le modèle et pour la taille de mon mari. Et il me reste ça à faire, hein, quoi. Bah, du coup, même pas 10 rangs. Et ben, je suis tombée en panne de laine. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Donc heureusement, la mercerie où je vais vend du Bergère de France. Donc j'étais ce matin chercher la laine qui me manquait. Donc je pense que je vais terminer aujourd'hui son gilet. Et il faut que... Oh, excusez-moi, désolée. Donc je vais terminer la partie à tricoter. Comme c'est un col châle, c'est avec des rangs raccourcis. Et après, il faut que je couds tout le gilet, le mettre en forme. Voilà. Si un jour ça, bah, si ça vous intéresse de voir ce que j'ai à tricoter, pour l'instant, j'ai tricoté que pour mon mari. Bah, je vous mettrai les photos, tiens, si ça vous intéresse de voir ce que j'ai tricoté pour lui. Et j'en ai profité pour m'acheter de la laine parce qu'elle vend, ma mercière vend de la laine qui est faite dans ma région, qui est faite par chez moi. Et c'était 1 euro la pelote. Donc bah, j'ai pris une dizaine de pelotes, ça m'a coûté que 10 euros. Parce que mon mari, enfin mon futur, me dit, je voulais lui refaire un pull, il me fait oh non, il dit arrête, tu tricotes toujours pour moi, tu tricotes rien pour toi. Et c'est vrai, je tricote rien pour moi, jamais. Donc il m'a dit, le prochain truc, tu t'en fais un pour toi. Bon, d'accord. Donc du coup, je me suis acheté de la laine pour moi. Et donc là, j'ai la laine, mais maintenant, il faut que je trouve le modèle. Qu'est-ce que je vais faire avec? Voilà. Donc si jamais ça vous, si vous avez envie de voir les photos de ce que j'ai tricoté pour lui. Donc pour l'instant, j'ai fait un gilet à fermeture éclair, un pull. Et cette veste à col châle, donc voilà. Et puis ben, moi je vais regarder ce que je vais faire avec la laine que je me suis achetée. Voilà. Hein? Mais je tricote un pull, Fifille? Fifille, elle veut un pull. Non? Non, elle veut pas un pull. Non. Non, Fifille, elle préfère jouer avec mes pelotes de laine. Hein, ma croche? Ah oui, croche. Croche, mes mères. Allez, je vous laisse. Je vais vite passer un coup d'aspirateur dans mon atelier. Et puis après, ben, je vais voir ce que je vais faire. Alors, Annie, je te remercie encore beaucoup pour ton envoi, pour le tac que tu m'as fait. J'aime beaucoup. Et moi, bah, je t'envoie très très rapidement. Donc, je sais plus si je t'envoyais par Mondial Relais. Oui, je crois que je t'envoyais par Mondial Relais. Je ne sais plus. Ou par la poste. Alors, si c'est par la poste, je peux t'envoyer demain. Si c'est par Mondial Relais, par contre, il n'y a pas d'envoi. On est vendredi, oui. Si c'est par Mondial Relais, il n'y a pas d'envoi le samedi. Donc, ce sera. Ça partira le lundi, mais il faut que je regarde, je me rappelle plus. Oui, si toi c'était Mondial Relais, je crois. Oui, si, si, je ne sais plus comment je vis. Oh, enfin, soit de toute façon, on se reparle pas en message privé. Voilà, encore merci pour ton envoi. Je vous fais à tous des gros gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles créations. Je vous préviens pour le prochain live, donc il sera la semaine prochaine. Je vous ferai un petit rendez-vous, comme j'ai dit. Je vous mets une photo de Fifi avec un petit texte après, donc une mini vidéo
pour vous donner rendez-vous. Ce sera plus simple. Et on se retrouve très rapidement. Bisous, bisous. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt. Bye, bye.